prévisions de gains pour l'exercice fiscal 2017 à 2018 et les chiffrés dans l'ordre de 41 milliards de gourdes. Et ça, c'est prévision initiale. Donc, on est capable de dire que par rapport à l'intelligence, par rapport à sens de leadership, par rapport à savoir-faire, par rapport à engagement que nous gagnons pour nous capables de collecter beaucoup plus ça, de taxes et impôts pour l'État, on est capable de dire que depuis le premier trimestre, là, nous prévision nous gagnons pour sur tout exercice là, c'est 41 milliards, mais cependant ministre finance là estimait que nous gagnons un petit peu très performant, limité 4 milliards sur lui. Cela veut dire que avant même budget, avant même il parle de ça que les budgets rectificatifs, nous capable dire que aujourd'hui hein, nous avons 45 milliards de gourdes pour me collecter pour l'exercice là. Mais avant forme d'où c'était 41 milliards. Parce que pour l'exercice passé, nous avons collecté 33 milliards de gourdes, nous avons fait 36 milliards. Cela veut dire que nous atteignons une prévision avec un écart positif de plus de 3 milliards de gourdes. Donc, le ministère prend des mesures d'accompagnement. Et le ministère prend, et comme toujours, nous toujours mener, n'est-ce pas, à créer des opérations coup de poing au niveau de la DGI, et d'en chercher également travail pour nous élargir davantage l'assiette fiscale, nous, eh bien, ministre, ouais, que si vous mettez les moyens nécessaires à notre disposition, nous sommes capables de faire plus. Eh bien, c'est dans la raison ça, c'est dans cette optique que le ministre a décidé d'ajouter 4 milliards de gourdes en plus, et c'est-à-dire pour passer de 41 milliards à 45 milliards. Et je suis capable de dire, le ministre m'a dit pour me collecter 45 milliards, je vais chercher 50 milliards. Parce que c'est comme ça que moi, c'est résultat. C'est, je suis l'homme de résultat. Je ne suis pas capable de dire ça pour, soit pour faire mon ouais ou bien pour faire jolet. Mais cependant, chaque fois que je mon prévision, je trouve une tendance pour me travailler, pour me dépasser la prévision de recettes. Là. Parce que notre travail aujourd'hui, hein, et bien que nous avons fait réforme, nous avons fait et n'a fait modernisation, c'est-à-dire et bureaux provinciaux dans le temps ils ont gagné l'habitude de collecter à hauteur de 3% dans la recette fiscale. Et bien aujourd'hui nous passons de 3% à plus de 7%, c'est grâce à la modernisation, c'est grâce à la réforme fiscale. Et m'a tout profité occasion ça à tout pour me capable inviter tout peuple haïtien, pour me inviter tout contribuable, pour me inviter société civile, pour me inviter les grands commis de l'État, pour me pour m'inviter tout employé l'État, tout le monde qui a une activité qui assujetti à impôt sur le revenu, pour me rappeler nous date d'échéance déclaration définitive d'impôt sur le revenu, c'est le 31 janvier. Faut que tout le monde produit déclaration définitive d'impôt sur le revenu parce que pas de limite. Mais pas de limite et pas de état d'âme, quel que soit mon nom, ma privé quand même sur pas produit déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Ma rappelé nous tout, produit déclaration définitive d'impôt sur le revenu, pas de dire pour autant que son bordeaux pour le payer. Parce que moi-même, j'ai besoin d'une population fiscale. Moi. Ou bien droit, il y a un salaire, ou bien droit, il y a un revenu qui est inférieur à montant pour ta, c'est-à-dire nous connaissons que jusqu'à présent nous passons de 60 000 gourdes qu'on a 260 000 gourdes à 120 000 gourdes, mais cependant et l'on a beaucoup voté, l'on a beaucoup promulgué, nous avons toujours été dans 60 000 gourdes là sous ça que les abattements. Donc on a encouragé tout le monde vienne produire déclaration définitive d'impôt sur le revenu nous dans toute rac dans tout coin pays très à côté très à côté à vivre DGI représenté à faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu avant 31 janvier quel que soit monde quel que soit haïtien même leur que ou travail même leur pas travail même sous son étudiant ou son chômeur aller DGI il y a information côté qu'on fait une fausse déclaration. N'a pris une déclaration pour vous, n'a accepté une déclaration faire, d'accord, sous réserve de vérification, sous réserve, n'est-ce pas, de contrôle. Pour une qui gagne entreprise, l'offre font fausse déclaration. La loi dit qui, genre de sanction, captant nous, leur fait fausse déclaration. Depuis ces revenus qu'on généré pour l'exercice passé, c'est-à-dire pour l'exercice fiscal 2016-2017, il faut que vous déclarez pour l'exercice fiscal 2017 à 2018. Parce que,
Si on pas fait vraie déclaration, et eh bien aujourd'hui nous chita là, n'a renforcé tout système de contrôle nous, n'a renforcé tout système de vérification nous à travers la République, parce que aujourd'hui nous arrivons à mettre une structure de vérification dans chaque département, parce que on a commencé déjà par le département du Nord, et eh bien aujourd'hui si gagne un contrôle, si gagne une vérification qu'a fait dans le département du Nord au cap haïtien, et eh bien nous pas besoin chercher vérificateurs quant au prince pour nous voir, parce qu'on a déjà gagné des cadres, nous gagnons des vérificateurs très bien formés, d'accord, qui sont tout à fait prédisposés pour faire et c'est-à-dire pour contrôler toute et entreprise dans le Nord. Et nous avons fait également et formation, et nous avons fait recrutement pour le département du Nord-Est, nous avons arrivé également sur le département du Sud, nous avons arrivé dans le département du Sud-Est, nous avons également pour le département de l'Antibonite, nous avons arrivé sur tout le pays. Moi très abondant qui t'aime parler. M'a fait nous connaître tout. Nous avons un programme aujourd'hui hein, qui c'est PEPFIC. Programme ça, son programme. Nous sommes déjà dans le Nord, nous allons dans le Sud, nous allons dans le département de l'Antibonite, nous allons dans le département du Sud-Est et prochainement nous allons dans l'autre département hein, qui c'est évaluation des potentialités fiscales des communes. C'est ça qui va permettre nous évaluer potentialité économique. Toute communion, nous allons travailler de commun accord avec tous les maires de la République. C'est nous-mêmes qui allons faire maire, effectivement, gagner plus visibilité. C'est nous-mêmes qui allons faire formation, gagner plus et possibilité, plus visibilité et plus également compétences. Leur arrivé, là, ils font contrôle, là, ils font estimation, là, ils parlent de impôts locatifs ou ils parlent de CFPB pour qu'on puisse connaître qui ça veut dire vraiment. Moi, j'ai tellement atteint prévision bien, moi, j'ai rencontré avec directeur et trésor hier, il était venu dans le bureau là, il fait un compliment parce que pour quantité de recettes que l'on a collecté déjà pour l'exercice là. Il faut me dire tout, pour qui ça ministre en bas nous 4 milliards en plus, il bat nous 4 milliards en plus, c'est parce que nous avons ciblé. Il y a un secteur dans le pays qui n'est pas fiscalisé, ou du moins, nous pas, comme tu as dit ça, soit par négligence ou bien par omission, nous avons quitté le dodo, et bien je dis, nous avons privé sur eux, c'est sacré le littoral là. Secteur littoral là. C'est-à-dire, il y a un bon monde qui a mené des activités économiques sur le littoral là, et que n'a pas payé le droit de fermage. Ils n'ont pas payé TCA alors que ce sont des assujettis parce qu'il y a des activités qui rentrent directement dans le champ d'application de la TCA. C'est-à-dire, les gens qui ont fait un hôtel, un bar, un restaurant. Toute activité, ça, c'est activité qui rentre directement dans le champ d'application de la TCA. Eh bien, qu'on a, nous allons chercher. Nous allons aller vers eux-mêmes parce que l'impôt est équitable. Ce n'est pas arrêté là, seulement chez un bureau, pour qu'on ait que l'impôt a venu chez nous. Non, c'est où pour aller chercher. Eh bien, c'est dans zone ça, et l'autre zone encore, que nous allons chercher, élargir l'assiette fiscale. L'assiette fiscale, ce n'est pas dans le même monde seulement qui n'a habitué, ou bien qui a habitué à payer, qui déjà dans le système, nous déjà, qui sont des contributeurs. Que nous comptons sur qui n'a pas nous qui enregistré qui en haut là c'est pendant et côté nous élargir cette fiscale noire c'est dans des secteurs qui partent dans le système nous déjà nous allons aller vers eux mêmes et que ce sont des fermiers de l'état que vous voyez moun sa yo tout le monde qui part qu'on paye impôt et ça doit faire fermage qu'on a nous allons chercher pour venir payer droit de fermage pour nous venir entrer dans le système là tout le monde qui pas emprunter tout le monde qui t'a occupé espace ça de manière illégale eh bien aujourd'hui nous pral chercher yo non seulement n'a pas emprunté pour yo n'a ba yo papier nous pral reconnaître comme des fermiers de l'état et si yo pas vle la loi dit tout qui ça pour nous faire yo quand perdu espace côté exploité a parce que l'état pas quitter et pas quitter espace ça nan men yo sans que yo pas payer l'état ou pas utile l'état hein. Donc kounya nous pas quitter ça ou gaspiller parce que pays a besoin d'argent gen un gouvernement jodi an la qui gen des projets très ambitieux et nous même nous camper derrière lui n'a marcher avec lui que soit côté lié sous territoire nous derrière gouvernement pour nous capable river collecter impôts avec taxes et que tes projets ça yo parce que bon bagaille pour nous songer nous devons toujours compter sur ces de comme cap vient de l'extérieur je dis à ce que je sache pas gagner comme qui sorti de l'extérieur qui vient jeune gouvernement ça pour capable river effectivement exécuter projet yo.
concernant Mariani, pour la zone de Mariani, c'est la pause de 800 mètres. Au niveau de la région métropolitaine, nous avons besoin en moyenne 330 000 mètres cubes d'eau par jour pour être capable, tout au moins, garantir mon yo, pas de l'eau 24 sur 24, mais au moins atteindre un seuil qui est considérable. Mais jusqu'à présent, li avoisiné, ça n'a pas baillé, je dis, de 103 000 mètres cubes jusqu'à 120, ça va dépendre de comment la variation saisonnière est, parce qu'il y a des sources émergentes, eh bien, les gens l'appli, donc le débit a augmenté, les pas gens l'appli, eh bien, normalement, le débit a diminué considérablement. Eh bien, avec le programme Port-au-Prince 2A, j'aime dire nous, qui est pratiquement en phase finale, eh bien, nous allons atteindre une augmentation des heures de pompage, c'est-à-dire de 40 600 mètres cubes d'eau par jour. Il va passer de 12 heures à 16 heures par jour. En conclusion, nous arrivons dans fin semestre 2018, là, début semestre 2018, là, eh bien, avec tous les travaux qu'a réalisé au niveau de Port-au-Prince 2, eh bien, n'a en mesure au niveau de la région métropolitaine passer service là de 103 000 mètres cubes par jour à 162 000 mètres cubes d'eau par jour. C'est l'occasion, Madame Nadège Augustin, qui est directrice technique adjointe de toute la DINEPA et qui a bâillé un accompagnement soutenu tant au CTMPP qu'à l'OREPA Ouest, pour le faire en présentation, côté que le parler nous, en image, ça qui Port-au-Prince 2A et ça qui annoncé en perspective pour Port-au-Prince 3. Mais m'a annoncé nous Port-au-Prince 3 qui pratiquement commencé d'emblée à partir de mois ça, janvier 2018, li gen comme objectif pour optimiser le résultat de travaux d'infrastructure hydraulique, c'est-à-dire densifier réseau. Nous venons remarquer à partir d'un diagnostic que nous faisons, gain une perte considérable sous réseau, des fois qui atteignent même jusqu'à 70%. Et toi comme d'abord, vous gagnez 100 gouttes ou perdez 70 gouttes là-dedans. Pour qui ça? Parce que son problème de vétusté, ça veut dire que le réseau a vieux de plus de 40 ans. Mes amis, bailler de l'eau, joindre de l'eau à Seyoun, traiter de l'eau, faire de l'eau arriver, caille, chaque monde son lot démarche. Étudiant révélé, pour qu'on prie au réseau de l'eau, capable de coûter non commune ou bien non section communale, c'est un prend $125 multiplié par taille population. Et obligé à faire des travaux d'infrastructure de temps en temps. Bon problème au niveau de l'aménagement du territoire qui vient faire que des fois, nous revenons aux situations, c'est de monio bralé alors que ça fait dans le sens contraire dans n'importe pays. C'est mettre infrastructure de base d'abord à travers les lotissements et puis pour mounio capable de construire. Il y a des zones, ces zones résidentielles, il y a des zones, ces zones industrielles, il y a des zones, ces zones protégées. Yoye. Donc, c'est l'occasion pour nous, ouais, nécessité pour nous travailler avec collectivité territoriale pour nous capable adresser aspect ça. Et forme d'où jusqu'à date, c'est environ 800 km de conduction que nous gagnons au niveau de l'aire métropolitaine. Avec le programme Port-au-Prince 3, nous sommes capables de passer de 800 à 937, c'est-à-dire 7 km de conduction additionnelle.
La majorité de notre temps, comme humain, in buildings or interacting with buildings. We typically nous passons beaucoup de temps dans la construction de nos maisons, à la banque, pour la construction commerciale. La majorité de notre temps, nous le passons dans un édifice. Quand nous construisons un édifice, nous pensons à le bâtir de façon adéquate. Nous respectons les constructions ou les édifices de bonnes normes selon ce qui va être entreprendre là-dedans, selon les activités à entreprendre. Et tout ceci requiert de l'énergie. À partir de l'architecture, de la construction, de l'électricité, de la ventilation, de la réfrigération, et tout ce qu'il y a de matériel là-dedans. Et ceci, je suis extrêmement content aujourd'hui. Et je suis très satisfait de voir Haïti à travailler ici avec assiduité avec le ministre. Et je suis réjoui de ce que le ministre a participé avec assiduité, et je suis aussi content qu'il a fait beaucoup d'efforts afin de mettre Haïti au pas parmi les membres de la CACOM. Comme partie prenante, nous avons des mots à dire pour les autres. Ce livre de code is going to have des effets, va avoir des effets sur la façon de construire. Je ne vais pas vous tenir aussi longtemps. Et je vous remercie d'avance pour l'anticipation. Pour l'anticipation des avis. To the deliberations of the regional project team, so that Haiti's pour voir ce que le public haïtien pense, que vous, comme haïtien, vous pensez. En ce début de l'année 2018, où Haïti assure la présidence de la CARICOM, le MCI se réjouit de l'organisation de ce débat national autour du Code régional de la Caraïbe d'efficacité énergétique du bâtiment, qui met en le rôle que sont appelés à jouer les normes dans la recherche de solutions face aux défis énergétiques auxquels nous sommes confrontés tant au niveau national qu'au niveau. Aussi, face aux défis, face aux défis économiques et environnementaux actuels, les pays de la CARICOM, importateurs de produits pétroliers, ont-ils vite compris qu'il fallait adopter des mesures et mener des actions qui favorisent la réduction de la consommation d'énergie, comme la conception des bâtiments et de leur système énergétique. Les autorités haïtiennes, en s'engageant dans cette voie, entendent contribuer à l'effort mondial de réduction des émissions du CO2, et ceci grâce à l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments. En effet,
en 2013 à la faveur de la 41e réunion spéciale du Conseil de la CARICOM pour le développement commercial et économique, COTED, sur l'énergie tenue à Trinidad et Tobago. Il a été demandé à l'organisation régionale de la CARICOM pour les normes et la qualité, COSCU, de développer des normes relatives à l'efficacité énergétique adaptées aux réalités de la région pour les équipements et les bâtiments. Au cours des 4 dernières années, l'efficacité énergétique est donc devenue, notamment en ce qui concerne le développement et l'harmonisation des normes régionales, où les normes et la qualité est plus qu'indéniable. Aussi souhaite-t-il que cette réunion de travail atteigne son plein objectif, qu'elle s'ouvre sur des perspectives généreuses capables de rendre possible l'élaboration d'un code sous forme de directive. Qu'enfin, que les parlements des pays de la CARICOM soient tous imprégnés des dispositions normatives qui en découlent pour la mise en forme des réglementations nationales appropriées. J'adresse mes remerciements spéciaux au secrétariat du COSCU et à l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement pour l'appui fourni à la réalisation de cette dite consultation. Pour discuter avec tout le monde qui gagne en expertise dans le domaine énergétique là. Voilà, grand représentant, monde qui travaille et monde qui gagne expertise tout dans la question construction. Nous avons architecte, nous gagnons bureau d'ingénierie, nous gagnons monde qui bail service énergétique tout dans le domaine énergie pour qu'à venir travaille avec nous pour le café commentaire sous première version comme ça. Yo fait même bagarre là dans tout pays CARICOM là. Aujourd'hui a y a fait ici en Haïti. Et vous parlez de normes, vous parlez tout secteur qui dans domaine là et pour travailler respecter normes. Document côté yo mettez en dedans yo. Spécification bagay technique des informations techniques qui fait pour respecter par exemple si nous dans domaine construction qui ça comment pour yo construire comment pour yo capable atteindre pour yo respecter une série de aspects normalement ligé en dami c'est des documents que yo préparé des moun qui dans différents secteurs dans différents domaines pas vrai si nous prend domaine construction on a parlé de li jodi hein ou prend ingénieur ou prend architecte ou prend tout moun ka bay service moun qui dans fabrication et bâtiment yo pour yo venir pour yo bail à partir de information que yo gagné pour yo capable dire comment y a construit c'est ça ou relé des spécifications qui jan pour et produit à utiliser dans bâtiment comment pour yo gagné qui spécification pour yo gagné donc c'est tout ça qu'on retrouve dans norme norme ça yo c'est des documents qui à la fin a publié par dans chaque pays gagner ça relé yon organisme yon entité que qui reconnu qui ont reconnaissance au niveau pays au niveau Thank you.
Non, Santinel, on a toujours comme une arme. Rachel va le voyager. La voyager le bras là-là. Après un an, un jour, nous, on va le connaître qui s'est là, qui s'est pas là. Nous connaissons. On a dit, nous connaissons. Après le bal, l'ensemble, ça. Pour voyager, pour l'ensemble, pour te mettre ça à l'aller, grand-père éternel, en l'air, pour flamme monter et pour l'eau. Soutenir la dégression pour les Kimbalada. Nous dit tout le monde, tout le gars, tout en Sikanzo, tout à Djeniko, c'est moment, la chaîne grand passé nous connaît, c'est nous voulons, quel tel est le mine, que ça va être nous connaît, pour nous virer, pour nous saluer. Ah, bravo! Ouais!
Nous songeons que Libye toute ville à recherche, tout travail que le fait pour voodoo, pour culture pays li, tout jeune que l'y formé en d'un pays. Hein. C'est vrai que Rachel Jean B. Donc nous-mêmes n'a crié parce que nous n'y pas là, nous pas moyen les, mais nous croyons que c'est l'occasion pour nous rendre hommage à tout ce travail qu'elle a réalisé. Parce que ce soit lui-même, que ce soit avec Didier, Dominique, Marie-Lie, tout travail de recherche, parce qu'avec Papa Altou, Ati, pour voir qui quittait nous il y a 3-4 ans maintenant, toute vie, Rachel, que ce soit l'ULTE à l'université, en Angleterre, aux États-Unis, ici, les tounins pour qui ça, les tounins pour venir former Genio, les tounins pour venir encadrer Genio. Et je pense que je n'ai jamais dit à moi-même, c'est à ça m'a songé. C'est cet héritage, c'est héritage ça que les bails, que le quitter ben non. Et à cause de héritage ça, nous avons devoir pour nous continuer surtout jeunes yo. Il faut que relève là, parce que les travaillent pour que qu'on relève. Et nous quoi tout l'autre bagaille que n'a pensé je dis hein, c'est que départ jambé Rachel doit servir tout de six mois. À culture ça qui gagne en pile difficulté jeudi. Hein. Il faut que départ Rachel fait en pile monde réfléchit à culture non pour que culture non yo passe polieli yo pas pour que pas gagne monde cap mourir parce que c'est vaudouisant tuer. Très longtemps c'est un monde qui travaille en pile dans ça relé anthropologie, ça veut dire comprendre racine côté de sorti. Il travaille en pile sur question vaudou. D'ailleurs, c'est peut-être ça que vous avez cérémonie ça matin. On compte en quantité de monde qui vient rendre les derniers hommages ça avant que col tourne poussière. Donc, je voulais là, je suis kembé à ce que je participe à la cérémonie ça. Pour Rachel, pour tout ça le vaut, pour tout ça le fait pour le pays d'Haïti. Et là, on sent tant que Didier se dit là, Didier ses compagnons de route pendant longtemps, pour nous-mêmes, nous avons un peu flamboyant. Respect pour le monde dans le niveau Rachel Beauvoir-Dominique qui a accepté d'afficher avec vaudou. Quelle que soit l'opinion de vaudou, le premier réflexe pour gagner, le premier comportement pour gagner, c'est respect. En pile respect. Parce que vos doigts, c'est entrailles nous. Vos doigts, c'est nom nous. Et tellement de préjugés contre vos doigts, tellement de batailles menées contre vos doigts,
les gens des monde qui ont un choix faire l'autre bagaille qui fait gros études tant que papa l'était fait tant que lui Munich et qui consacre yo à vos doigts qui c'est religion paysan yo qui c'est religion ancêtre yo monde ça yo mérite respect et c'est pour c'est au nom de sentiment respect ça qui fait me présent là de quoi lui important pour nous rendre un hommage mérité à Rachel pour ça l'était fait comme intellectuel comme vaudouisant comme professeur et moi j'ai souvenir travail il commencé faire sous bois caïman une zone moi qui cher en pile à moi-même alors respect c'est plus gros mot qu'a utilisé dans circonstance ça. Nous avons des icônes qui partent, qui c'est Rachel Beauvoir Dominique et des Pradine Mons qui partent. Deux icônes, c'est deux potentiels dans le secteur culturel là qui partent. Donc, non, gouvernement Moïse Lafontaine et non, non, ministère de la Culture. Donc, nous avons souhaité sympathie, nous, condoléances, nous. By famille, tout le monde dans le monde culturel, dans le monde vaudois, qui est touché par le départ de grandes femmes voyantes qui partent dans le secteur culturel. Nous tous nous connaissons que Rachel Beauvoir Dominique, comme anthropologue de la culture, était professeur, était formé une équipe génération à l'intérieur du pays. Pour le secteur culturel là, pour avancement culturel là en dans pays. Donc, nous étions chapeaux bien bas devant famille. Hein. Et nous croyons que Depradine Mors, il était travail en pile avec les formés en génération, il est parti à l'âge de 100 ans. Donc, petit li héritier de talent, li, de potentialité, li, et que petit li continue à chanter pour pays, pour équipe génération. Non, surtout dans la partie racine. Non. Donc, nous sommes conscients du travail qu'il a fait à l'intérieur du pays. Le gouvernement est prêt pour les supporter, pour accompagner. Yo. Et le gouvernement lui présente sympathie à Mounsao et pour lui dire continuer le travail qu'il a fait, que le monde culturel est très reconnaissant envers vous et que nous là, nous avec vous. Bon, et en termes de Rachel Beauvoir fait, en plus, on a parlé que le président du ministère que je suis pas là, ça qui passe. Moi, je m'a dit que moi j'étais présent dans le funérail Rachel Beauvoir Dominique Mater de très tôt que c'est un homme qui était premier arrivé et là moi j'étais arrivé, moi j'étais salué Marie-Li qui c'est Didier Dominique côté Marie-Laurence Stéphane présenté ensemble avec Marie-Laurence nous t'ai salué et que Didier te dit moi il est bien content de te dit pas trop mon là pour pas trop été bon c'est ça qui fait que me pas été net dans funérail là parce que Marie li qui c'est Didier Dominique dit que donc li très satisfait de présence mais en même temps si me pas la carité il t'a mieux pour yo parce que yo gagne des choses secrètes que a fait bon c'est normal doit obéir à la volonté du défunt. Parce que nous tous haïtiens nous connaissons, ça veut dire, il dit madame, ni pas de vli pour toi, officiel dans l'enterrement, donc c'est normal, moi-même je dois obéir avec volonté, monde qui mourir. C'est une occasion pour moi tout, pendant ce radio-télé Guinée là, pour moi présenter sympathie, moi, par quatre portugais garçons qui étaient arrivés victimes d'un nettoyage trou que tu as fait devant le ministère de la Culture, là, présenter sympathie. By famille, amis, et que nous déplorons sa rivière. Donc, nous disons famille que nous sommes conscients de ça, que l'État l'a pris à disposition pour accompagner. Donc, encore une fois, nous disons tout le monde, on nous met ensemble pour nous sauver Haïti, pour changer ça, l'arrivée vraiment faite en dans le pays. Et ce n'est pas dans grand bagage que l'a fait, mais c'est dans petit détail que nous devons commencer avec lui. Pas dit demain, mais commencer jeudi à même. Bon, est-ce que le ministère a fait activité pour nous et pour nos économies? Chita, avec toute l'équipe, nous,
pour nous travailler sous des icônes ça qui parti pour nous capables arriver rendre un hommage bien mérité pendant tout que nous allons chita avec famille parce que famille c'est un élément important dans toute activité toute initiative que nous gain pour nous prendre et ministère là li ouvert et li pral chita avec vous pour nous capables pour nous dire nation mais deux monde mais deux images deux icônes qui t'a servi pays dans secteur vodou secteur culturel et nous très reconnaissant envers vous que maintenant nous même tout qui avait sous terre notre travail pour nous quitter un vrai héritage pour génération qui va venir pour nous capable gagner un Haïti pour nous capable toujours faire tout monde sous la terre connaît nous identiques comme haïtiens mais identité nous mais fierté nous ça nous y a c'est ça nous y a. Nous pas copier parce que nous avons une identité qui propre à nous-mêmes qui dit nous c'est haïtien. Merci beaucoup. Non plus humble, non plus responsable. Ça va le faire nous 8 ans depuis nous vivons une grosse catastrophe. Nous pas changer dans comportement nous. Dans gens on a vivre avec l'autre, dans gens a mal bâti caille, nous fait caille tourner tombeau. Et gros événement, gros événement. Gain 4 malheureux qui mourent dans tout ego. C'est Karel Michel, Audner Volcan, Daru Jean Renel avec Mathieu Joannis. Quatre personnes, ils ont mouru parce que ils ont servi le pays. Ils ont fait un travail qui est bas dans le pays. Je ne pas souhaité qu'ils mourent. Et puis, tout le monde a oublié dans quelle situation ils ont mouru. Et que petit ils ont quitté dehors, ils ont quitté derrière, pardon, personne ne va vous regarder. Je mette voix ma voix famille pour m'encourager autorité yo, pas seulement faire enterrement yo, mais faire qui choy pour petit yo qui était derrière parce que c'est quatre moun qui méritaient respect pays a dans circonstances yo mourir et son message tout pour comportement nous en général par rapport à environnement pays a ça nous relé tout ego nous faire tourner dépôt nous faire tourner dépôt toi mon a volé couverture tout ego puis la cause monsieur ça mouri c'est trop fatra que t'ai gagné et puis l'air retiré fatra de l'eau envahi yo yo mouri moi crois que c'est pas un petit événement rase lié c'est pas parce que mon ça pas gagné non c'est plus bas dans société c'est dans Dieu t'a accepté ba 350 gouttes par jour dans circonstances yo mouri a aux environs de 1h et côté nous gain des employés service d'entretien qui affecté 76 tape travail dans ligne de bus ligne drainage qui passait devant Ona qui virait cal tomber sous et rue pavé cal transporter dedans là ça arrivé li boucher c'est un gros dalo là mais suite à construction et tour 2004 là yote fermé dalo ça qui devine bon tout problème drainage côté gain devant Mupana non vini qu'on y a coup sécurité ligne et vienne faire on ligne des bus de 2 mètres dimension diamètre et puis non vienne passer li vienne boucher côté employé tal déboucher et suite à déboucher ça en pile d'eau pendant déboucher de l'eau prend 6 là-dedans dont 2 grands temps sauvés et 4 perdu la vie c'est bien malheureux donc gain 4 monde et c'est monde qui les plus souvent qui expert dans déboucher de l'eau mais tous ces résultats mauvais comportement population pardon ces résultats on sait ignorance on sait des monde ou bien méchanceté on sait des l'autre sont pas ignorant ou méchant chaque fois moun yo prend canal yo comme lieu de décharge pour yo vider fatra yo et ben ça a toujours entraîné des accidents souvent nèg yo accidenté ou pas mourir mais souvent parfois tu mourir côté et la donne grand dalo c'est dalo qui prend toute l'eau ça yo qui traverse qui passe qui descend droite dans la raclan cal virer dans et dans ruelle alette
cal vide de l'eau ça devant Fedem là et dans l'eau ça gon longueur près à 200 mètres environ ou à comprendre et gon très grand diamètre et puis li gagnent et on très forte pente et ben dans l'eau ça nous perdu un monde là dedans déjà tout et c'est ça que même choisir pour me une bonne interview ça nous choisir et Joël Boucher là nous pral déboucher risque pour des accidents très grand encore et encore pendant à dire ça ouais mon a bidé bagarre la donne pendant à dire non et des gars à panko c'est propos des mauvais propos à plein sous il est temps pour mon comprendre canal yo pas qu'un lieu de décharge il est temps pour mon comprendre et fatra son coto metel pour instance concernée vinn enlever mais chaque fois metel dans canal là li coûte chaque camion yo c'est l'état haïtien 1000 goud et si c'est non même capelle si c'est contrat non bail li coûte l'état ça te fait gagner le ou est mon y a pas accusé l'état gagner des fois yo pas écoute comme l'en fait imagine c'est dans fatra ou jeter comme l'en et boire ouais, combien de milliers de goud ou dépenser sans pas qui sont favel et de là tout nous exhorter mon yo pour comprendre chaque fois hier nous perdu 4 moun matin tout à l'heure là me recevoir famille yo tout le monde a crié comment nous perdu des monde pour pas mauvais comportement c'est des monde soit yo fait pas ignorance parce que là yo pas connait pour qui ça et qu'est-ce qui dégal qu'a causé soit yo fait tout par méchanceté comme si a fait l'état payer un bagaille et même moi dit chaque monde qui fait c'est qui presque même j'avoir qui gagne tout problème avant qu'a parler essayer curer pour et puis de l'eau qu'a parti avec et qui a entraîné des accidents c'est le cas que nous trouvé dans bord et bon et tout 2004 là hier en Bali côté n'a cureli côté n'ont perdu 4 employés service d'entretien donc je dis qu'on y a une morgue nous profiter espace ça tant que la presse toujours accordé nous pour nous sensibiliser moun yo pour nous toucher tout moun yo canal yo pas qu'un lieu de décharge événement qui arrivé hier après-midi et côté que nous gagnons 4 employés SEIR qui tombé et qui mouri dans cadre travail yo et parents attendo en pile mon attendo la journée jodia et qui ça et ministère travaux publics et compte fait pour et moun sa yo qui tombe tout ça et parents yo attendo parler ensemble avec bon forme de depuis hier là et ministère travaux publics là et Fritz Kayo et Terelem et directeur général là ingénieur Vilma Terelem pour dire nous va prendre des mesures pour nous ça pour nous faire gon réunion là qu'on y a 11 pour le fait là jodi et moi j'ai rendez-vous avec eux jeudi et pour nous parler ensemble pour nous discuter ensemble pour nous voir qui ça pour nous joindre pour mounio nos conscience mounio et c'est service de travail dans cadre travail et moi quoi l'état apprend responsabilité bon gros autorité très le matin me dit merci et c'est Evans Paul Capé et qui dit Nader et lui même si c'est voix parle de camété pour faire barrer ça sortir la faire lui moi dit merci déjà et président a fait d'autres monde reline donc quoi toute autorité concernée yo pral pencher sur problème là pour nous joindre une solution cap bon pour parents yo cap bon pour l'état haïtien et non profiter la presse télé guinée qui aide dans cas ça pour sensibiliser moun yo pour connaître et canal yo et pas en lieu de décharge suspendre vider fatra dans canal yo à chaque fois vider on fatra dans canal c'est risque on accident qu'on entraîner. Nous réunis jeudi dans l'hôtel Marriott pour capable discuter de problème fatra et sortir en proposition commune qui c'est expression de ça nous le fait conjointement avec l'État. Nous reconnaître effectivement que Vilio a des difficultés, il y a problème fatra effectivement. Nous reconnaître tout que alors en plus monde pas reconnaître que il y a des responsabilités partagées dans question ça et rôle la mairie dans question ça balayage
et une structure étatique qui a les MCRS qui doit procéder à l'enlèvement. Nous reconnaissons tout que la police justement a un rôle pour jouer la donne. D'entrer dans l'autre, nous avons décidé de faire un petit échange entre nous et neuf communaux, Port-au-Prince, Carrefour, Grissier, Pétionville, Delma, Tabar, Cité-Soleil, Croix des Bouquets, Kinskoff, pour effectivement nous discuter et regarder qui ça nous a proposé comme solution dans le cadre du travail qui est pour faire depuis jeudi que nous prenons engagement. Ça. C'est qui s'aligne au final, c'est que nous déclarer. Et qui est cause FATRA, en cause métropolitaine numéro 1 pour l'année 2018. Parce que nous reconnaissons effectivement la responsabilité de la donne, mais tout nous reconnaît que les moyens ne pas suivre, que pour avoir une réflexion vraie qui fait sur la question ça, nous, comme maire de la région métropolitaine de Port-au-Prince, la première grande région de la République, qui c'est peut-être, je dis, la zone qui est plus sale, nous prenons conscience de ça et nous voulons montrer aux populations que nous prenons acte de ça et que nous engageons nous pour nous aider à Anessa Bayo changer. Avec justement l'État, demander que dans le budget république là, gagner et crédit qui est alloué, demander parlementaires justement pour avant votre budget, même dans le budget rectificatif là, pour l'argent disponible dans le budget, pour construire usine FATRA, pour faire sensibilisation, pour qu'un sport qui fait, pour faire tout, eh bien, pour nous prendre une loi justement qui créait un impôt, une taxe, voilà, sur la question FATRA, parce que l'État a besoin de moyens pour le financer. FATRA n'a pas de jambes mettre ça dans la création de MCRS, je dis, qui fait la mission, parce qu'il n'a pas de moyens, nous reconnaissons ça, effectivement. Et ce n'est pas une question de monde qui a dirigé, c'est une question d'institution, je dis, plus de environ 30 ans, et voilà, qui. Plus, et lorsque l'État a créé un ensemble de communes pour coexister, en 83, une commune ça va coexister. Eh bien, je dis qu'il y a plusieurs communes qui viennent créer, qui tout consacrer l'autonomie, tout consacrer par la Constitution de 87. Au texte, il y a rien à la Constitution de 87 là. Donc, tout ça crée des soucis. Depuis lors, par réflexion que fait sur lui, nous décidons nous-mêmes, maires, zones métropolitaines, de Port-au-Prince, pour nous agiter des débats, montrer volonté nous pour nous faire et demander l'État à tout participer avec nous dans l'effort que Mirio a fait pour nous faire ville là en l'autre gens. Ce n'est pas distribution de matériel, c'est des matériels que le secteur privé a mettre et à disposition mairie pour faire opération coup de poing ça avant le carnaval. Ce n'est pas des matériels que le bras jeune dans nous-mêmes. Nous pouvons arriver dans ce stade. Et ce matériel où même on parle, c'est des matériels que nous allons discuter très prochainement avec le président de la République et le gouvernement pour comment nous allons faire par rapport à matériel que nous connaissons qui a acheté déjà et que nous promettons mairie. La discussion sera faite dans nos chita avec le gouvernement et le président. Situation. Les déchets, les FATRA qui sont dans le pays, la zone métropolitaine en général. Donc je dis à nos chita, Mariotte, pour que nous parlions, discutions, pour nous comment nous résoudre le problème ça entre mairies. Parce que, et quel que soit le magistrat qui est là, quel que soit ce qu'on fait en termes de positif dans la commune depuis Ville-la-Salle, donc toute population, Papkin, y a une bonne lecture de vous pour dire que le magistrat ça travaille. Donc pour travailler, il faut vivre la propre. Donc, il y a une situation de malpropriété qui est dans toute ville et particulièrement dans la zone métropolitaine là, qui t'a doué, y ont côté que pour tout le monde dans l'autre département, l'ont entré dans la zone métropolitaine là, pour te dire waouh, ça son côté qui est vivable, ça son côté que qui méritait pour nous visiter. Mais je dis, c'est pas ça lié par rapport avec un ensemble de FATRA, de déchets qui est dans la zone métropolitaine là. Donc nous conscients que nous-mêmes situation ça dépasse nous, c'est peut-être ça nous longer mais nous bah l'État central pour dire que nous-mêmes en tant que la mairie moins insuffisant mais nous par rapport avec population qui presque pas comprendre que nous-mêmes mairie c'est assemblage que nous fait c'est SMCRS qui fait enlèvement. Donc je dis hein, nous chutons ensemble pour que nous dit que population en général que nous-mêmes nous conscients que situation ville nous sale. Donc, nous devons prendre une résolution pour que nous propres des villes nous. Et nous avons 16 sites de décharge qui sont tweetés. Donc, je dis à l'arrivée dans une situation qui est encombrée, donc qui n'a pas recevoir FATRA encore, qui n'a pas recevoir déchets encore. Donc, je dis à là, lorsque gens pour Villio ne font pas ça. Et côté qui pour recevoir Villio, il n'est pas capable de recevoir déchets. Côté qui pour recevoir déchets, il n'est pas recevoir encore. Donc, qui c'est tweeté, qui c'est dans la ville Pamnan, qui c'est Cité Soleil. Donc, je dis à nous demander que l'État central. Non, le ministère de l'Environnement, c'est que nous avons parlé avec eux déjà sur la question ça, pour comment nous avons mis un loader, mettre quelques camions pour nous au moins déblayer tout ce qui permet que nous prenions
déchets qui sont dans la zone métropolitaine, non, mais je dis à Snap Garde, zone métropolitaine, par rapport avec ça lié et tweet, il y a quelqu'un qui a tweeté pour arriver là, pour pas dire waouh, ça mérite.